Salut à tous, heureux de vous retrouver cette semaine encore en compagnie d'Emeline, d'Adriane, de Romain et de Nicolas. Alors, est-ce que vous savez ce que sont tous ces fromages? Car ce sont des fromages, on est bien d'accord. Des fromages de chèvre. Des fromages de chèvre. Est-ce que vous aimez ça, les fromages? Oui. Toi, t'aimes ça? Et toi? Oui. Et vous, là-bas, les deux messieurs? Non. T'aimes pas, vous l'aimez pas? Du tout, du tout, du tout? Pas beaucoup, non. Ah, alors là, nous allons avoir un très gros travail à faire, Emeline et Adriane, c'est que nous allons essayer tout à l'heure de vous convaincre que le fromage, c'est bon. D'abord, c'est vrai, il faut en manger, car c'est très, très bon pour la santé. C'est plein de sels minéraux, c'est plein de vitamines, donc là, il faut en manger. Alors, donc, vous m'avez dit que tout ça, c'était du fromage de chèvre. Est-ce que vous pouvez me dire... Avec le lait de quels animaux on fait également du fromage? De la brebis. De la vache. Et de la vache. Brebis et vache. Tu as bien fait de me dire brebis parce que tu m'aurais dit mouton comme quelques fois où on le dit. Eh bien, ça n'aurait pas marché parce que le mouton, il n'a pas fait de lait depuis longtemps. Alors que la brebis, elle en fait régulièrement. Est-ce que le fromage de chèvre existe depuis longtemps? Eh bien, écoute, le fromage de chèvre, ça doit exister depuis aussi longtemps qu'il y a des chèvres. Parce que depuis aussi longtemps qu'il y a des chèvres, il y a sûrement des hommes qui ont essayé de traire les chèvres et d'en récupérer le lait. Seulement, pendant des siècles et des siècles, c'était les rois, c'était les aristocrates qui faisaient la mode. On mangeait ce qu'ils avaient décidé que nous devions manger. Or, il se trouve que les rois de France n'aimaient pas le fromage. Pas beaucoup, sauf on l'a vu, Charlemagne pour le Roquefort ou d'autres, mais en général, ils n'aimaient pas le fromage, et encore moins le fromage de chèvre. C'est la principale raison pour laquelle le fromage de chèvre ne s'est pas beaucoup développé. La deuxième raison, c'est que les troupeaux de chèvres sont beaucoup moins nombreux que les troupeaux de vaches. Donc, moins d'animaux, moins de lait. D'autant moins de lait qu'une chèvre ne produit qu'entre 3 et 5 litres de lait par jour, alors qu'une vache en donne 3 fois plus, puisqu'elle donne entre 10 et 15 litres de lait par jour. Donc là, encore une fois, production moindre de lait, production moindre de fromage automatiquement. Et puis la quatrième raison est une raison complètement folle. Dans la tête des gens, on a imaginé que le bouc, vous savez, on représente toujours le bouc avec ses deux sabots comme ça et ses deux grandes cornes comme ça. On dit c'est Satan, on dit que c'est le diable. Alors les gens se disaient, ah oh, là on ne peut pas manger de fromage, ça c'est pas possible. Et puis vous savez que pendant très longtemps, dans les siècles précédents, les sorcières étaient représentées sous forme de chèvres. Donc les gens se disaient, les gens s'en foutent d'ailleurs, ils se disaient, oh bah si c'est comme ça, il ne faut pas qu'on en mange, etc. Voilà les raisons pour lesquelles finalement, le chèvre existe depuis longtemps, mais n'a jamais connu la gloire, la notoriété des autres fromages. Où vivent les chèvres? Alors les chèvres, ben, elles vivent dans les villages, elles vivent dans les montagnes, à moyenne ou à basse altitude. Elles vivent en général dans des régions très déshéritées. Pourquoi? Parce que ce sont des animaux qui se contentent de peu. La vache, il faut lui donner une lourde alimentation, il faut qu'elle ait beaucoup de verdure, des grands prés, alors que la chèvre, rien du tout. On la met le long d'un chemin, il y a une haie, elle va manger des épines, par exemple, ce qu'aucun autre animal ne mange. Elle va manger des petits bouts d'arbustes, elle va manger dans la forêt, comme ça, elle va manger 2-3 restes, des feuilles. Ce n'est pas un animal difficile, ce n'est pas un animal compliqué au niveau de l'alimentation. Donc, finalement, elles vivent dans les endroits déshérités, essentiellement. Pourquoi on fait du fromage avec du lait de chèvre? Alors, justement, c'est une bonne question parce que c'est à peu près exactement la même raison. C'est-à-dire que le lait de chèvre ne se conserve pas. Donc, il faut l'utiliser rapidement. Et alors, les chevriers, des hommes ou des femmes qui s'occupent des chèvres, quand ils les emmenaient promener, quand ils les emmenaient dans la montagne, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce lait? Et la meilleure des solutions, c'était de faire du fromage et de le faire sur place pour utiliser du lait frais tout de suite. Et c'est comme ça qu'on a imaginé faire des fromages de chèvres sur les lieux où vivent les chèvres. Est-ce qu'on fait du fromage de chèvre toute l'année? Eh ben non, on ne fait pas logiquement du fromage de chèvre toute l'année. Parce que de la fin de l'automne jusqu'au tout début du mois de mars,
les chèvres, elles font leurs petits. Elles mettent bas et elles nourrissent elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas du lait de quelqu'un d'autre, c'est leur propre lait qui sert à nourrir leurs petits. Alors, ce qui fait qu'on ne trouve du fromage de chèvre que au printemps, enfin à la fin du, au début du printemps, en été et au tout début de l'automne. Enfin, je veux dire, on trouve à cette période-là des fromages de chèvre purs, hein, pure chèvre. C'est une sorte de garantie, c'est un label qui nous assure tous, les consommateurs, que nous mangeons du fromage qui a été fait exclusivement avec du lait de chèvre. Alors, évidemment, il arrive qu'il y ait du fromage qui soit fait avec moitié chèvre et moitié vache. Et ça, ce label-là, ce mélange-là, n'a pas le droit au label pure chèvre. Mais on s'en rend compte très bien quand on regarde les fromages. Quand un fromage est fait avec du vrai lait de chèvre, et uniquement avec du lait de chèvre, on voit la tranche comme ça, est très très nette, elle est un peu cassante un peu partout. Et s'il a été fait avec un mélange vache et chèvre, bien à ce moment-là, il s'étale un petit peu, il est moins régulier, il est moins cassant, et à ce moment-là, on va l'appeler mi-chèvre. Pourquoi il y a autant de formes dans le fromage de chèvre ? Ah ben ça dépend des régions, parce que chacune des régions a sa forme. Alors si tu regardes bien, par exemple, dans la région de la Côte d'Or, il y a des tout petits chèvres comme ça qu'on appelle des boutons de culotte. Ici, ce sont des cabécous. Regarde comme ils sont tout petits. Ici, tu as un chèvre qui est haut, mais haut et cylindrique. Ici, c'est un fromage de Corse. Tu vois, c'est le plus gros de ce qu'on peut trouver. Il arrive de Corse. Ce sont les Corses qui ont décidé de donner ce format-là. Ça, c'est un fromage qui a l'air d'une pyramide. Il vient de la région de Valençay. On l'appelle d'ailleurs le Valençay. Ou alors, on peut effectivement l'appeler également le Pouligny-Saint-Pierre. Tu vois, c'est une autre forme de pyramide. Regarde, tu vois. Ils viennent pratiquement, enfin, en gros, de la même région, et c'est pas exactement la même pyramide. Et puis, tu as ici, celui-là, c'est le Sainte-Maur, c'est un fromage qui vient de Touraine, et puis celui-là, c'est un sel sur chair, c'est pas exactement la même région, mais c'est encore une autre forme, tu vois. Et tout ça, ce sont des fromages de chèvre. Alors, il faut savoir qu'ils ont une forme différente, mais la fabrication est pratiquement toujours la même. La fabrication, c'est un cycle d'environ 30 jours, pas davantage. Ils sont juste égouttés, ils sèchent tout à fait naturellement et la croûte qui se forme est une croûte naturelle qui n'est due à aucun apport extérieur. Mais est-ce que vous avez déjà été voir un élevage de chèvres? Est-ce que vous savez comment on fabrique le chèvre? Vous avez déjà vu ça? Voilà, regardez les chèvres qui sont en train de se balader. Vous voyez, elles aiment évidemment les épines, comme je vous l'ai dit, mais elles ne boutent pas, vous vous en doutez, la bonne herbe, bien entendu, bien au contraire. Alors, c'est un animal très bizarre et très docile, la chèvre. Regardez, vous voyez, là, une petite branche, elle ne dédaigne pas ça du tout, bien au contraire. Regardez, elle écoute, parce qu'elle est très obéissante, et elle écoute, elle reconnaît la voix du chevrier, de ceux qui s'en occupent. Regardez les mamelles. Regardez comme c'est plein et gorgé de lait, tout ça. Et voilà, elles vont rentrer docilement à la ferme pour la traite. Alors la traite, là, vous allez voir, se fait manuellement, hein. Pas de machine. Regardez le chevrier. Regardez comme il caresse amoureusement le pis de sa bête. Et voilà, le lait qui coule. C'est un lait crémeux, riche, parce que ce sont des bêtes qui sont aimées d'une part et d'autre part bien nourries. Le lait est filtré. Ensuite, on lui met quelques gouttes de présure pour lui permettre de cailler, c'est-à-dire de se solidifier. Et après une journée au frais, comme ça, tranquillement et à l'abri, il est caillé et la fermière va pouvoir... Enfin, chevrière, va pouvoir remplir les moules percés, comme ceux qu'on a sur le plateau, et le petit lait va pouvoir s'égoutter. Et alors après un premier égouttage, on remplit à nouveau les moules pour un second égouttage, et puis éventuellement un troisième, si ça s'avère nécessaire. Et puis voilà, on est en train de les démouler. Regardez. Et on va les laisser tranquillement
ces gouttes avant que de préparer un mélange de poudre de charbon de bois et du sel. Et voilà, on les roule dedans. Ça s'appelle le poudrage. Ça accélère le séchage. Ça accélère la formation de la moisissure. Et là maintenant, nos beaux fromages que vous avez vus sont en train de sécher tranquillement dans une cave. Alors, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille, Ameline et Adrienne, qui adorent le fromage, eux deux, on va essayer de convaincre nos deux camarades que le fromage, c'est bon. Vous êtes plein de bonne volonté. Là, je sens que vous avez vraiment envie de goûter, non? Fromage chaud, pas tellement, hein? Romain, on va avoir plus de mal à convaincre Romain que Nicolas. Écoutez, il faut y aller, essayons, c'est notre mission d'aujourd'hui. Venez dans la cuisine, on va essayer de faire un truc qui puisse les décider. Alors, le chèvre chaud, d'abord il faut que ça se mange chaud pour commencer, sinon ça ne s'appellerait pas du chèvre chaud. Et ça se mange généralement sur une salade. Alors, on a épluché une belle frisée que voilà, tu la mets là-dedans, mon petit lapin, et tu vas la secouer là-bas dans la serre, ok? Alors maintenant, on va rester entre garçons. Vous connaissez la chanson, il était une bergère? Oui. Oui? Eh bien alors on va y aller. Un, deux, trois. Il était une bergère, héron, héron, petit patapon. Il était une bergère qui gardait ses moutons. Mais non, qui gardait ses moutons. On est en train de parler de chèvre. Ah, il a dit biquette. On recommence. Il était une bergère, héron, héron, petit patapon. Il était une bergère qui gardait ses biquettes. Qui garde ses biquettes ronds. Voilà. Alors, pour faire du, donc je vous l'ai dit, chaud, ça veut dire que vous mettez vos petits fromages de chèvre comme ça dans un plat et vous allez le mettre dans le four. Vas-y vite, mon chéri, va là-bas. Et voilà, vous voyez, là, c'est dans le plat. On l'a mis, on a allumé le grill et maintenant, on va le mettre dedans pendant environ une dizaine de minutes. On surveillera, on mettra un petit couteau dedans pour voir s'il est bien fait à cœur, bien fondant, parce que c'est comme ça qu'il faut le manger. Et maintenant, on va faire la sauce de la salade. Comme c'est une salade frisée, comme vous avez vu, on peut mettre un petit peu de moutarde. On va mettre un tout petit peu, voilà, comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Petit peu de sel, non? Ouais. On va mettre un petit peu de sel, oui. Mettons-le dans l'ordre, c'est mieux. Tiens, voilà le sel, vas-y, mets-en un petit peu. Et puis, avec ça, on va mettre un petit peu de vinaigre. Mais peut-être au-dessus du saladier, c'est peut-être plus prudent. Top! Encore une goutte, voilà. Impeccable. Vas-y, tu verses. Très bien. Et puis là, maintenant, on va bien tout mélanger avec ça, le fouet. Bien comme il faut, voilà, pour que ça soit bien émulsionné. Très bien. Et si on a mis une cuillère de vinaigre, on met... Une cuillère d'olive. De l'huile d'olive. Combien de cuillères? 5. Ah, c'est beaucoup. 2. 1. 3. 3, voilà. Parce que, en général, c'est 1 pour 3. Alors, quand on met une cuillère de vinaigre, on met 3 cuillères d'huile. Alors, on va mettre de l'huile d'olive. Voilà. Vas-y, tiens, verse-lui l'huile d'olive. Moi, pendant ce temps-là, je vais regarder où en est mon fromage. Pas mal du tout. Laissons-le encore un petit peu. Voilà. Vas-y, remue-toi pendant ce temps-là. Vas-y, vas-y, vas-y. Que tout ça soit bien mélangé. Impeccable. Voilà, mais dites donc les enfants, et là, c'est que vous êtes bien là. Voilà, pose-le dessus, très bien. Voilà, et regarde ce qui nous arrive immédiatement. La petite bergère, notre petite bergère qui était partie non pas garder les moutons, mais secouer la salade. On la met dedans. Et voilà, ça c'est très très bien. Allez-y, maintenant, on va la retourner la salade. N'aie pas peur, s'il en tombe, comme on est dans la cuisine, c'est pas bien grave. Voyons où en est notre affaire. Regardez ça, comme c'est beau. Oui, mettez-en tous un petit peu pareil. Vas-y, voilà, très bien. Un petit peu à toi. Voilà, et on va prendre chacun notre assiette et on va aller s'installer dans la serre pour déguster tout ça. Salut les petits lapins, la semaine prochaine avec de nouvelles recettes et avec de nouveaux produits.
En attendant, nous allons commencer à attaquer notre chèvre, fromage de chèvre, chaud sur un lit de salade.